Bonsoir à toutes et à tous aussi. Bravo, belle intro. Ce soir, on vous demande depuis quelques jours de venir à 19h30. Voilà, c'est l'heure. Il est 19h30, on est sur nos lives. Oui, il y a Benoît et moi-même à l'écran en même temps. Et ça, c'est rare. La dernière fois, c'était il y a longtemps. Bah, à peu près un an hein, pour le lancement. Pour le lancement de la chaîne. Donc, bah, si on est là, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Et bah, c'est Seb, le président de No Life, de la chaîne, qui va vous l'annoncer. Voilà, je pense que vous êtes tous un peu rendu compte que No Life était dans une situation difficile. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on diffuse et il n'y a toujours pas de pub à l'antenne. Alors, la pub, la fameuse pub tant espérée, en fait, ça dépend de pas mal de facteurs. Bon, je vous explique simplement. Hein. Il faut être au moins sur le câble, il faut avoir des chiffres spéciaux d'audience, de médiamétrie, pas, même sans obligation de résultat, mais au moins des chiffres. Ensuite, il faut bien être dans le système des centrales d'achat, des grosses régies. On n'y rentre pas aussi facilement qu'on aurait pu y penser. On pensait que ce serait plus facile, on était un peu naïfs. On se rendait pas compte de ce à quoi il fallait arriver en fait. Alors c'est un peu dommage parce que on s'en est rendu compte en cours de route. Bien sûr, on travaillait là ça depuis des mois. On n'est pas si loin que ça, mais en même temps on n'y est pas. Donc effectivement, il n'y a pas de pub à l'intérieur sur nos lives. Et effectivement, on perd de l'argent depuis la création de la boîte. Donc, nos lives a été créé en janvier 2007, c'est ça, pour commencer à émettre le 1er juin. Donc déjà, effectivement, on a eu un peu de retard à l'émission. Là, on est à court. Voilà. Donc, financièrement, on ne peut plus continuer. C'est dur, mais c'est dommage, mais voilà. Voilà. Bon, ben voilà. Ça y est, c'est dit, hein. Ouais. Donc, No Life, c'était, on savait que la chaîne n'allait pas tenir. Enfin, une chaîne sans argent, déjà tenir un an, c'est beau, hein. Donc voilà, on le savait. Donc on n'a pas à être triste normalement, même si c'est un peu dur de ne pas l'être. Bon, moi en plus j'avais arrêté mon taf, donc bon, maintenant je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je suppose que plein de gens regardent nos lives et se disent « Oh, ce petit jeune, je vais l'embaucher !» Voilà, bref, enfin je sais pas toi Benoît, si... Non, moi je pense pas que je vais t'embaucher, ça tu peux toujours te gratter. Ouais, et voilà, le rire est la politesse du désespoir. Bref, on avait commencé la chaîne avec un making-of, et ben ça, c'est bien aussi de terminer avec un making-of. Mais un making-of avec deux F, off. Ouh, c'est beau. Merci. Ça te rend poétique. C'est la tristesse, c'est la politesse du... Je sais plus, t'avais dit désespoir, comment, Boris Vian. Ah, d'accord. Bah moi, ça a été une vraie douche froide. Hein. Ça fait un an que je travaille maintenant sur l'émission du Subjectif sur No Life. Récemment, j'avais décidé de m'investir en fait sur la chaîne en m'occupant du jeu vidéo avec Kevin et Pierre-Alexandre. Bah, je savais que j'étais au courant qu'il y avait des problèmes, mais vu l'investissement de toute l'équipe, vu l'ambiance, la motivation qu'on avait tous, moi j'y croyais. C'était de tous les instants, vraiment, on était là. Enfin, plein de fois, la chaîne, on nous a dit. Ça risque de s'arrêter, et après c'est reparti. Alors tu dis, ah ben non, en fait ça arrivera peut-être pas. Et le jour où ça arrive, au début tu le crois pas, et puis après quand tu vois que c'est vraiment vrai, ça te fait vraiment bizarre, quoi. Enfin, même si tu t'y attends, ça fait mal quand même, quoi. J'avais commencé à nouer de bons contacts avec l'équipe, c'est vraiment des gens adorables, je les connaissais pas plus que ça, parce que je faisais que passer en fait de temps en temps là sur cette année. Et donc là, en les fréquentant pendant quelques semaines, ça va être très difficile de ne pas avoir l'occasion peut-être de rebosser avec eux. En même temps, je savais que ça pouvait arriver, mais je ne m'étais pas vraiment projetée dans le truc parce que je me suis dit non, il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que j'y pense. Et... Non, je pense que ça valait vraiment le coup de le faire. C'est un projet
Juste, même si finalement il n'aura pas tenu, on aura prouvé juste que c'était faisable. Et déjà, rien que ça. Bah non, enfin, moi c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps. Je pensais que No Life allait s'arrêter. Donc c'est vrai qu'à chaque fois c'était un peu des bonus en fait quand les mois passaient. Et puis bon, voilà, là en fait j'ai commencé à y croire vraiment depuis quelques mois. Et puis voilà quoi. Savoir si je continue Mange Mon Geek, je sais pas, je pense pas en fait. Parce que c'était vraiment dans l'optique d'une émission de cuisine pour une chaîne, voilà. Et pour Nerds, je pense qu'on va... Je sais pas encore. Trouver une autre télé que No Life, à mon avis, ça va être dur, avec mon physique et mon style. Enfin, j'ai un style, je sais même pas. Retourner sur Internet, j'ai fait ça depuis des années, puis j'ai mon blog, mais... Non, je sais pas. Enfin, j'ai pas envie... J'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. C'est clair que quand on a commencé la chaîne, on savait qu'il y avait une très forte chance que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Quand on est dans l'euphorie de créer, de faire des programmes qui nous plaisent et qui on sait plaît à d'autres personnes, on oublie un petit peu comment la chaîne est fragile et dépend de plein de facteurs. Enfin, depuis le début, on est au courant de la stabilité fragile du projet, de la fragilité de la chaîne. Mais j'ai voulu y croire jusqu'au bout, vraiment. Enfin, ce que j'avais dit à Seb quand je suis arrivé, c'est moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout, quoi, et puis on verra bien. Seb prenait beaucoup sur lui et faisait en sorte que l'équipe continue à travailler sans avoir cette pression-là. Et c'est vrai que ça a été un petit peu une surprise, là, de l'apprendre avant-hier que ça s'arrêtait, quoi. On avait une liberté et tout, enfin c'est cool quoi, faire ce qu'on veut sans avoir quelqu'un qui est derrière nous, toujours à nous dire « Ah non, faut changer ça, faut faire ça, ça, faut refaire et tout ». Ça c'était vraiment génial quoi, et puis je crois qu'on a quand même un peu lancé quelque chose en France, au niveau de la G-Musique déjà. Bon bien sûr, hein, je suis content de ce qu'on a réussi à faire en un an, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus si on avait eu les moyens et le temps, ouais. Bah on était tellement bien, enfin on était bien, on travaillait beaucoup quoi, mais... et on travaillait justement tellement, on s'arrêtait tellement pas qu'on ne pensait pas que ça pourrait s'arrêter un jour quoi, stopper, donc non, vraiment pas. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait, accomplir, on a fait quelque chose je pense, hein. On a été victime de l'économie de marché quoi, mais malgré tout, on est resté intact je pense par rapport à la chaîne qu'on voulait créer. On l'a créée pendant un an, on est allé jusqu'au bout. Donc voilà, ouais, je pense qu'on peut quand même être fier de ce qu'on a accompli. Et puis voilà, on peut toujours aussi imaginer qu'on va rebondir sur d'autres projets plus tard. J'espère que cette année a été enrichissante pour tout le monde tout de même. J'imagine que la déception doit être énorme et l'épuisement arrivé à un niveau intolérable. Mais ça a quand même été une belle aventure. Moi, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont regardé la chaîne, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il fallait être patient. Il y a eu beaucoup de soucis techniques. Je pense qu'on a eu de la chance d'avoir de bons spectateurs, on va dire. Des gens, enfin, en tout cas, qui comprenaient les enjeux de la chaîne et qui savaient que tout n'était pas si facile. Qui ne voyaient pas ça, enfin comment dire, qui se plaçaient autrement que comme des simples consommateurs, des clients, quoi, des gens qui regardent une télé, qui ont tous eu envie de participer. On a vraiment senti que cette chaîne, c'était pas seulement la nôtre, mais c'était vraiment celle de tout le monde, vu qu'il y avait vraiment une énergie des deux côtés, quoi, entre ceux qui la fabriquaient et ceux qui regardaient. Bon, c'est un peu bateau, mais j'ai vraiment senti ça. Il va falloir du temps un peu là pour que je fasse un débriefing, pour que je vois un peu ce qui s'est passé pendant un an, parce que là j'ai tellement la tête sous l'eau que je me rends pas vraiment compte. Je pense que c'était vraiment 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 énorme d'avoir fait ça. On est fatigué, mais on s'est vraiment vraiment amusé. J'espère que j'aurai d'autres occasions avec peut-être la même équipe ou des gens avec qui on bosse là de faire d'autres projets. On va pas se laisser abattre pour si peu. On a encore un peu de temps avant que ça s'arrête. On avait envie de faire, vous savez, là, comme les chansons caritatives pour les grandes causes. Ben voilà, No Life, c'est une grande cause et No Life méritait aussi sa chanson.
Voilà, je pense que vous avez compris. No Life se termine ce soir. Vous inquiétez pas en tout cas pour les programmes en cours. Moi, je pense à Nerds parce que forcément, c'est mon petit truc à moi. Donc voilà, Nerds n'est pas fini d'être diffusé sur No Life, mais vous pourrez voir la suite sur le site internet, sur le blog de Nerds ou sur une case en moins. Je ne sais pas trop encore comment on va faire. Vous aurez la fin. Bien sûr, ça sera la fin totale de Nerds, puisqu'on n'aura plus de structure après pour pouvoir faire les épisodes. Donc vous allez voir les derniers épisodes de cette série sur internet. Mais il y aura quand même les DVD à Japan Expo. Oui, oui, bien sûr, on sort le DVD de la saison 2 à Japan Expo. Ça sera un truc collector, je pense, sous peu. Donc voilà, donc je pense que les autres gens vont faire pareil. Il y a des Hidden Palace de prévu. Ils seront sûrement sur le blog de la cave. Enfin voilà, ça va vivre encore un petit peu après la chaîne. Mais voilà, la chaîne se termine. Donc faut faire un compte à rebours comme la 5 à la grande époque, c'est classe. On compte, on y va. Je fais 5. 5. 4. 3. 2. 1. Ciao. Vous êtes encore là? Eh ben... Et oui, oui, c'était une grosse blague, c'était un fake burn, on vous a bien eu. Voilà, c'était une bonne grosse blague. Ouais, mais c'était pas très drôle quand même, moi j'ai trouvé. Oui, c'était une blague de mauvais goût, mais il y avait une intention derrière. C'est pas juste une blague comme ça pour se moquer des gens, c'était aussi pour montrer que la chaîne, que No Life, elle aurait pu mourir ce soir. Elle aurait dû mourir ce soir. Normalement, elle devrait être morte. Mais, quelqu'un est arrivé. Et c'est ça qu'on voulait vraiment vous annoncer ce soir. Donc voilà, on n'avait plus d'argent, donc pour survivre, on devait forcément trouver un partenaire, un investisseur dans No Life. Et alors il y avait des suspects principaux, hein, des gros groupes qui investissent dans des chaînes de télé, peut-être des fois dans des petites chaînes, sachant que nous on n'a pas besoin de milliards et millions pour exister. Et il se trouve que... mis à part ces gros groupes, il y avait quelque chose qui nous titillait un peu le coin de la tête, c'est que fin décembre, on était allé tourner chez Ankama, la boîte qui fait Dofus et qui prépare Wakfu, une boîte de jeux vidéo française. Et puis, ça s'était très bien passé. C'était des gens qui se défonçaient dans tous les domaines et qui dépassaient vraiment le cadre du jeu vidéo. Ceux qui ont vu le documentaire résultant savent de quoi je parle, mais des gens maintenant qui font de la BD, qui font du dessin animé et qui se lancent dans plein de défis. Et des gens qui sont restés indépendants. Et ça, c'est très important. Donc je me suis dit, avant d'aller voir les gens avec qui je pense que ça ne serait pas super bien passé, enfin du moins pour l'antenne de No Life, parce que là, tout de suite, il y a plein de choses qu'on peut nous reprocher, qu'on peut nous demander de faire différemment. Je me suis dit, je vais essayer d'aller voir Ankama.
No Life. Vous n'auriez pas pu trop pas le dire comme nous. Mais bon, ça va être temps d'en faire quelque chose, un truc un peu plus sérieux, non, la musique chinoise. Bon, on va changer un peu tout ça. Mais on s'en fout du rétro. Et ça fait du chinois. Aujourd'hui, les gamins, ils pensent que Pac-Man, c'est un joker. Pas mal votre truc, mais bon, il serait temps d'en faire quelque chose d'un peu plus sérieux, non. C'est quoi les courants qui passent? Il y a vraiment des gens qui regardent ça. Fais-moi confiance, mon gars. Je vais t'en faire une vraie chaîne, moi. Bref, c'est un bon événement sympathique. Bonjour. Anthony Rouen, Kama. Allez-y, asseyez-vous. Voilà, je sais pas si vous connaissez No Life, c'est une chaîne... J'en ai vaguement entendu parler. Ok, donc c'est... on a commencé avec vraiment pas beaucoup d'argent, mais on a vécu avec des ressources très faibles mois par mois. Et là, malheureusement, on est un peu à bout, quoi. On n'a plus de ressources. Vous avez besoin d'un peu de thunes, quoi. Voilà, alors on est en recherche de partenaires pour continuer l'activité. Parce que je pense que ce qu'on fait là, c'est intéressant par rapport à ce que vous faites aussi. Effectivement, on aurait pu aller voir là les grands groupes habituels de la télé, mais on a peur de se perdre là-dedans, clairement. Ah, mais nous, on est à fond. À partir du moment où vous mettez un petit peu de catch, une fois de temps en temps, à l'antenne, on vous fait un petit coup de main, pas de problème. Ok. Donc, par contre, j'imagine si vous allez investir dans No Life, vous attendez certains résultats au niveau de l'audience, du développement. Et par exemple, je sais pas, là, pour la J-Music, la musique japonaise. Ça marche, ça, la musique japonaise? Bah, ça marche moins bien que le jeu vidéo, ça c'est sûr. Mais ça marche quand même pas mal et c'est important pour beaucoup de gens. Et là, il y a pas mal de médias qui commencent à suivre et à suivre ce qu'on fait. Et je pense qu'on est en train de créer quelque chose. De toute façon, c'est votre chaîne, donc si vous jugez que ça marche, qu'il faut de la musique japonaise, on met de la musique japonaise. Ok. Ok, mais et alors il y a des trucs qui marchent très bien dans le jeu vidéo, mais il y a des trucs aussi qu'on fait qui sont pas forcément super vendeurs, comme le rétro gaming par exemple. Le rétro gaming, non, c'est bien le rétro gaming. Quand tu vois un petit peu ce qu'on fait sur Dofus, c'est pas nous qui allons critiquer le rétro gaming, on est en plein dedans, quoi. Ok. Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que là, sur No Life, on passe les séries d'animation en VO sous-titrés français. Et ça, on sait que pour l'audience, on perd tout de suite, avec la VO sous-titrée, 70, voire 90% des spectateurs. Et donc, je comprendrais tout à fait si vous me dites qu'il faut mettre de la VF. Mais enfin, il faut voir quand même que la VO sous-titrée, c'est quelque chose aussi qui nous est important, quoi. Bon, si y a le choix entre les deux pour les spectateurs, y a pas de souci, c'est cool. Ah bah oui, si y a le choix pour les spectateurs, c'est l'idéal, c'est clair. Nous, on pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas les moyens, mais à terme, ce serait super. Ah oui, y a un truc aussi, c'est que sur No Life, on a des animateurs qui sont vraiment différents des autres chaînes, de la télé traditionnelle, avec la présentatrice blonde à paillettes avec le sourire et tout. C'est pas comme ça, c'est différent. Et c'est peut-être un truc que vous voudrez changer. C'est vos animateurs, oui. Pas de problème. Même Benoît? Benoît, c'est plus compliqué quand même. Je crois qu'on en parle. Bon, on s'est bien amusé à faire ce petit court-métrage là, pour cette annonce, mais en fait, ça s'est vraiment passé pas mal comme ça. C'est des gens qui foncent pas mal dans tout ce qu'ils font. Ils ont vu que la démarche qu'on avait, c'était pas mal similaire, et donc ça s'est collé, en fait. Et il faut voir que là, ce qu'ils nous proposent, ce qu'on est en train de faire avec eux, c'est assez extraordinaire. Parce que on n'a pas besoin de changer complètement la chaîne pour eux, de s'adapter à des moules, de rentrer dans des choses. Ils nous font confiance et voilà, on garde la liberté de faire ce qu'on aime. C'est assez dingue, en fait. c'est quelque chose qui ne se propose pas normalement, vous comprenez ? C'est vraiment assez exceptionnel. Donc pardon,
Pardon à tous ceux qui ont cru vraiment, c'est vrai que c'était pas sympa. Bon, je pense aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas laissés avoir parce que voilà, vous êtes pas nés de la dernière pluie. Et c'est. On est quand même des gros enculés. Je pense qu'ils vont nous en vouloir. Et je pense aussi que le jour où nos lives s'arrêtera vraiment, plus personne ne nous croira. Là, c'est foutu. On a perdu toute crédibilité. Cette idée de. En fait, oui, quand on a appris que voilà, ça allait se faire avec Ankama et que nos lives étaient sauvés, on s'est dit bah, va falloir le dire aux spectateurs. On voulait vraiment marquer le coup et que ce soit vraiment voilà, une soirée vraiment marquante. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cette fausse soirée de clôture. C'est un peu salaud comme blague. Hein. Je suis désolé, c'est pas mon idée. Ouais, mais là, on était vache avec la blague. Mais n'empêche, quand tu me posais les questions pour me dire que la chaîne, elle s'arrête, eh ben, je t'ai cru quand tu me posais la question et je répondais pour de vrai. Parce que c'était tellement proche de la fin que toutes ces questions, on se les a posées vraiment. Et effectivement, ça ferait mal que ça s'arrête. Ça ferait vraiment mal. C'est pas cool, Alex. Je le pensais depuis le début. Fallait pas faire ça. Alors, j'ai accepté de jouer le jeu. Pourquoi ? Parce que on est vraiment très facilement critiquable sur l'arrivée d'un gros investisseur comme ça, alors qu'on se réclame indépendant, machin. Et en plus, un investisseur qui vient du milieu du jeu vidéo, donc un milieu qu'on touche, extrêmement facilement critiquable là-dessus. Maintenant, il se trouve que c'est des gens un peu différents, même très différents de ce qu'on peut trouver habituellement dans le concept de société, hein, bien sûr. Et nous, on est vraiment convaincus d'avoir trouvé les bons partenaires pour faire quelque chose. Mais voilà, en tout cas, rien que pour vous expliquer qui sont ces gens et ce que ça représente ce qu'ils font là, ça nous paraissait important de marquer le coup, d'expliquer ce que ça représentait vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que là, Ankama sauve nos lives, ni plus ni moins. Et s'ils n'avaient pas été là, c'est clair que voilà, d'ici un mois, ou même un peu avant, on aurait, nos lives se seraient déjà arrêtés. Et puis bon, bah, fini la J-Music, fini les émissions, les Superplay, les 101% chez Marcus et compagnie. Ça nous aurait fait vraiment mal. Et nous, on l'a vraiment senti, quoi, la fin de la chaîne, qui était très très proche. Et on avait un peu envie de vous faire partager ça. Et que vous aussi, vous compreniez à quel point on était acculés. Et ce que représente Ankama, quoi, ce qui est vraiment très très important pour nous. C'est ce qui pouvait arriver de mieux pour la chaîne, que ce soit Ankama. Parce que sinon, ça aurait été forcément soit la mort de la chaîne, soit un autre groupe. Qui aurait eu complètement la main mise sur la chaîne, la programmation, et là c'est clair que nos lives n'auraient plus été la même du jour au lendemain, quasiment. Bon, je vais pas citer les grands groupes, mais voilà, on aurait pu tomber sur des trucs qui disaient « Bon non, la chaîne, on va la changer et tout, parce qu'il faut qu'on fasse de l'audience pour qu'on ait de la pub. » Enfin, des gens qui chercheraient en fait le succès commercial à tout prix, au mépris de notre liberté, au mépris des spectateurs, je crois que c'est ça qui est important aussi. Et je crois qu'Ankama, ils ont compris ça, en tout cas j'espère, c'est que nos lives, on respecte le spectateur, on est proche de lui. Et on sait très bien que c'est grâce à ça qu'on marche aussi, et il faut pas qu'on perde ça, quoi. Sinon on va être comme les autres chaînes, enfin, il y aura une grosse façade, une grosse vitre, et il y aura plus d'émotion qui passera, quoi. Ils ont pas un modèle agressif, genre comme beaucoup d'autres sociétés, on va pas en citer, mais d'autres sociétés, oui, ça aurait été très inquiétant. Donc Ankama, c'est vraiment différent. L'arrivée d'Ankama dans nos lives, moi je pense que c'est forcément quelque chose qui peut apporter que du bien dans la chaîne. Déjà parce que on va avoir de quoi acheter des sous-vêtements, hein, ce qui est quand même assez important pour le staff de nos lives. Et puis aussi bah, tout l'apport technique et donc encore une fois financier. C'est triste de parler d'argent quand on parle de nos lives, mais c'est vrai que c'est important. Et ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr, c'est des gens Ankama qui arrivent là, voilà, donc bien sûr, ils vont faire partie de nos lives, ils vont avoir leur place à l'antenne. Il va y avoir des choses sur Ankama, sur nos lives. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y aura rien qui sera en moins. Il n'y aura pas de trucs supprimés. Il y aura juste des trucs en plus qui parleront aussi d'Ankama, de temps en temps. Voilà. Puis en plus, bon, ils font des trucs assez kiffants. Je pense que là, il n'y a pas de problème pour en parler. Eh ouais, t'en prends encore minimum pour 6 mois. Voilà, alors maintenant que nos lives n'est pas en danger immédiat, on va pas se reposer là-dessus, parce que maintenant, il faut arriver à ce que ça marche. Il faut aller la trouver maintenant, la pub. Alors maintenant, on sait où on en est, on sait ce qu'il nous reste à faire, et on va se défoncer encore plus. C'est un peu fou, hein, mais quand on s'est lancé
On n'avait pas forcément de but à part survivre. Maintenant qu'on a une survie, une stabilité un peu plus acquise, c'est le vrai début en fait. Voilà, maintenant au boulot. Et on va pouvoir faire des annonces prochainement, je pense. Mais on va arriver vers des nouveaux diffuseurs, on va être encore plus disponible pour tout le monde. Ça va être plutôt cool, on va faire de plus en plus de choses et on va encore moins dormir, mais ça on a l'habitude. Voilà, l'émission est terminée et on va pouvoir voir Nerds et Flanders parce que No Life, ça continue. Ça continue, merci Ankama, merci beaucoup. Voilà, le matin vous allez pouvoir continuer à regarder vos clips de J-pop, vous allez pouvoir continuer à regarder des rediffs du Docteur Lacave, de Julien Pirou, vous allez pouvoir continuer à voir Benoît dans 101% avec son t-shirt Ken, parce qu'il revient l'année prochaine avec son t-shirt Ken. Oui, c'est pas Ankama qui va m'offrir un t-shirt, quoique, si jamais... Oui, pareil, hein, qui font des jolis t-shirts. Ah bah, moi j'ai aucun doute là-dessus.